Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite carte d'anniversaire. Et oui, effectivement, c'est l'anniversaire de ma fille bientôt. Elle va avoir 5 ans. Du coup, j'avais envie de lui faire un petit cadeau supplémentaire. Plus de ses cadeaux. Voilà. Elle aura une petite carte faite par maman. Donc, je prends une base de cartes blanche qui fait 10 et demi par 15. Ensuite, j'ai choisi un fond de carte vert qui fait 10 par 14 et demi. Voilà. J'avais des restes de petits cœurs, donc je vais prendre mes petits cœurs. J'ai également préparé un tampon Happy Birthday. Mais j'hésite entre celui-ci. Je sais pas si vous allez le voir. Celui-là. Ou alors sur un tampon bois, celui-là. J'hésite encore. On verra en fonction du moment. Voilà. Du coup, je vais commencer par arrondir les bords de ma carte, de mon fond. Voilà. Hop. Voilà, ça va être bien. Ensuite, je vais voir combien de cœurs il me faut, mais à peu près. Ouais, 4, ça suffira, plus le tamponnage. Donc voilà, 4 petits cœurs de couleurs différentes. Voilà. Mon petit tamponnage. J'hésite. Hein. Bon, allez, c'est parti. Je vais prendre celui-là. Hop, je vais prendre une feuille de brouillon. Voilà, ça se regarde très bien. C'est parti. Donc pour l'encre, j'ai pris de la Memento noire. En même temps, j'ai pas grand choix, donc hop, c'est parti. Voilà. Hop. Ensuite, je vais coller donc mes petits cœurs. De l'encre sur les doigts. Allez, c'est parti, on colle. Vous rapproche un petit peu, j'espère que ce sera mieux. Mais ça grandit vite à cet âge-là. 5 ans. Sa petite sœur a fêté ses 2 ans il n'y a pas très longtemps.
Et comme c'est une petite fille, ben, je vais mettre des petits strass, un peu de peps, un peu de brillant. Ça va éliminer un peu cette carte. Alors, voyons. Choisis de différentes couleurs en fait. Voilà. J'ai pas de strass rose, bah dis donc, ça alors. Ou alors si j'en ai, ils sont énormes. Ça c'est violet. Bon. Tant pis. Si j'en ai un petit là. Ouais, bah ça ira, un petit comme ça. Pas maintenant, mais allez, c'est parti, on colle. Hop. Et le tout, ben, on va le coller sur le fond de carte. Ça va être pas trop mal. Allez, je colle. On centre le tout, bien sûr. Hop, c'est parti. On aplatit. Voilà. Et il me restera plus qu'à mettre le petit mot à l'intérieur. Et voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Hein. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis on se dit à la prochaine. Bye bye!